Les images parlent d'elles-mêmes sur ces images de João Alencar. Vous voyez bien, il y a un train qui a complètement déraillé. Ce train, il a déraillé à cause d'une vague qui provient normalement d'un petit ruisseau, le ruisseau d'Éguez, qui eh bien, a vu son niveau monter tout d'un coup avec les pluies diluviennes d'hier. Et Eric, vous qui êtes le directeur de ce parc d'attractions, eh bien, vous avez vécu cet événement tôt le matin. Vous avez été surpris dans votre sommeil. Est-ce que vous pouvez me raconter, s'il vous plaît? En effet, j'ai travaillé tard la veille jusqu'à 2 heures du matin pour assurer la maintenance comme on le fait à l'habituel. Et puis le matin, je me suis assoupi et j'ai entendu la caravane dans laquelle j'étais bouger. J'ai cru que c'était la rafale de vent et pas du tout. C'était une vague d'eau qui était venue, une première rafale d'eau qui était venue taper la caravane et qui l'a carrément déplacée, soulevée. Et là, j'ai commencé à me dire, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe, j'entendais de l'eau. Je me disais, c'est pas possible, il n'y a pas d'eau. Donc je suis sorti et quand je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait déjà une immensité d'eau. Donc là, j'ai pensé à ma vie, c'est-à-dire à sortir, prendre mon slip, mes chaussettes, mes godasses et partir directement le plus vite possible au 4x4 qui m'a sauvé la vie, qui m'a permis de sortir du parking là, parce que une deuxième vague après est arrivée, l'eau est montée, vous le voyez, sur une partie innombrable du parc. Quoi. C'était l'apocalypse totale sur cette zone, quoi, un truc invraisemblable. Justement, vous me dites, vous avez voulu sauver votre vie, c'est allé très très vite, vous avez eu un niveau d'eau qui est monté très rapidement et qui a provoqué beaucoup de dégâts. Les dégâts sont incalculables pour le moment. C'est un parc qui est à refaire entièrement. On espère que les collectivités vont nous aider, que ça va être déclaré en catastrophe naturelle. Je ne sais pas encore. On va faire appel, j'espère, aussi aux bénévoles qui, autour de nous, pourront peut-être nous aider. On verra. Ça va se faire par les différents médias. Et il y a encore tellement de choses à revoir, tellement de choses à réfléchir que voilà, c'est lourd à supporter en ce moment. Vous le voyez, donc, comme nous disait Eric, tout est allé très très vite. Son parc est totalement détruit. Il a été détruit par une vague qui provient d'un ruisseau, le ruisseau des Gaz, qui lui, eh bien, actuellement, est retourné dans son lit. La situation, elle est redevenue normale, mais juste derrière, eh bien, ce ruisseau qui est sorti de son lit hier a laissé de nombreux dégâts. Un petit peu plus loin, juste derrière le parc d'Eric, on peut encore voir une caravane et une voiture qui ont été charriées sur près de 400 mètres et qui proviennent du camping où résidaient les enfants allemands de la colonie en vacances.